GBV, yeah. Niggas on that got GBV, yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un try on haul. Donc aujourd'hui, je vais faire un haul Shein des vêtements que j'ai reçus. J'ai reçu depuis un bon moment déjà, mais j'ai pas fait le haul avant parce que j'étais pas là, enfin j'étais à Barcelone. Et avant de partir à Barcelone, j'ai eu plein de trucs, le concert de Aya, le BTS, enfin bref, il s'est passé plein de trucs. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai eu mon BTS, je suis trop contente. Vraiment ça a absolument rien à voir. J'ai décoloré mes sourcils aussi. Vous devez vous dire mais la pute sourcil, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décoloré mes sourcils. Donc voilà, vraiment c'est tout. Mais je vais faire un vlog un peu où je vais vous raconter ma vie. Vous allez me suivre dans la journée, etc. Enfin, vous voyez, histoire de... Bref. On va commencer avec le haul parce que je parle trop. Je vous mets mon code promo juste ici. N'hésitez surtout pas à l'utiliser, vous avez moins 15%. Sur tout le site. Premier article, c'est ce haut brasier. Je l'ai porté une fois et je pense pas que je vais le reporter plus tard en fait. C'est juste un haut trend, tendance, etc. Il est comme ça, c'est ce brasier. Je vous mets une photo de moi qu'il porte ici. En fait, les try-on, je vais vous mettre plus des photos parce que, au lieu de vous faire des vidéos, surtout pour les vêtements que j'ai déjà porté. Je trouve que c'est mieux pour vous et même pour moi. Déjà, en vrai de vrai, si vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà vu les vêtements là portés. Je vous montre un peu de plus près. La matière, elle donne super chaud. Franchement, pour l'été, c'est chaud. Hein. Ensuite, on a un de mes hauts préférés. Il est beige comme ça. Il est beige comme ça. Il est vraiment magnifique. J'aime trop personnellement. Il est comme ça. Vous voyez, il est beige et dans le dos, il est ouvert. Et on peut resserrer le dos ici, enfin tout ce qui est là, vous pouvez resserrer. Personnellement, moi, j'ai resserré un peu à moitié comme ça. Par contre, c'est assez filoche. Regardez, je l'ai porté deux fois. C'est filoché. Franchement, et pourtant ça a l'air grave de bonne qualité. Hein. Mais je sais pas pourquoi c'est filoché. Je pense que c'est sûrement un filoché... parce que j'ai dû tirer ou je sais pas ce qui s'est passé mais ça a effiloché. Mais sinon c'est pas transparent. Et ici là, enfin vu que c'est un crop top avec une forme comme ça, vous voyez, regardez, il y a un adhésif, il y a une espèce d'adhésif ici. Genre du coup ça tient. Même si vous levez les bras, ça monte absolument pas. Du coup, moi j'aime bien, genre c'est trop bien. Franchement je kiffe. En plus c'est long manche. Après, vu qu'en ce moment il fait des températures comme si on était au Qatar, dans le désert, vous n'allez pas mettre ça forcément. Mais quand on va rentrer vers septembre et tout, si vous voulez sortir le soir, mettre un crop top, vous pouvez mettre ça. Si vous me connaissez, vous savez que quand c'est l'été, j'aime trop porter des robes. Par exemple, là j'ai une robe et tout, elle est magnifique. C'est aussi une Shein. Cette robe, elle est trop belle. En plus, elle est trop mignonne. Déjà il y a une fermeture juste sur le côté, pas derrière, parce qu'en fait derrière c'est compliqué à fermer quand vous êtes tout seul. Et j'étais en train de vous dire que la fermeture sur le côté, elle est beaucoup mieux que derrière, surtout quand vous êtes tout seul. Et elle se noue ici comme ça, le bleu. Alors, faudrait que je la reporte parce que je l'ai portée qu'une fois quand j'étais à Barcelone. Et du coup ici il y a ça, regardez, comment expliquer, c'est, vous voyez, c'est une espèce d'élastique pour que ce soit plus serré. Sur la robe que je porte, il n'y en a pas, mais habituellement il y en a sur les robes. J'ai plein de robes où il y a cette espèce d'élastique, c'est vraiment trop bien. Et il y a une ouverture ici parce que ça aide à marcher. J'ai acheté une robe récemment sur un certain site, je dirais le nom, enfin pas récemment, j'ai acheté depuis, je pense, ça fait un mois. Faut savoir que j'ai acheté cette robe, ils sont trop bien, j'étais trop contente. Et quand je l'ai portée, quand j'étais à Barcelone, pour marcher avec, c'est une robe sirène, toute longue, pour marcher avec, c'était horrible. Horrible, genre comment je fais pour marcher avec en fait. Et vous allez voir un peu dans la longueur, elle n'est pas toute longue jusqu'à ma cheville, mais elle est quand même longue. En fait, c'est pas une robe courte. On dirait que j'ai... Ensuite, nous avons le haut de la gloire. Quand je dis haut de la gloire, c'est vraiment le haut de la gloire. Attendez. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement déjà vu ce haut. Il se porte comme ça. Ouais, il se porte comme ça.
Donc il y a la rose ici, j'aime trop. Il y a la rose ici sur le côté et il y a le haut. Il est matière un peu sport, je sais pas si vous voyez. Et j'aime trop, vous voyez cette super tendance, les espèces de chouchous qui pendent comme ça. Personnellement j'aime trop. Et il y a la petite rose ici qui se met là, magnifique. Je vous la mets ici, une photo de moi qui la porte. Dites-moi si vous préférez les hauls en mode je fais des try-on photos que des try-on vidéo. Dites-moi si, enfin, ce que vous préférez. Parce que là, bah, c'est des vêtements que j'ai déjà portés, que vous avez déjà vu. Donc, enfin, je me dis, ça sert à quoi que je fasse des try-on vidéo. Mais si vous préférez des try-on vidéo, je vais vous faire des try-on vidéo. Et la voix super grave, mon dieu. Pour ceux qui veulent savoir pour les tailles, moi tout c'est toujours du XS voire XXXS, à la limite S quand c'est la seule taille qu'il y a. Mais je prends toujours des tailles super petites parce que sinon après c'est trop grand avec moi en fait. C'est ça. Donc après nous avons cette petite jupette comme ça. Cette jupe elle est trop belle. Si vous me suivez sur Insta, là maintenant j'ai... Non, pas sur Insta, si vous me suivez sur TikTok, j'ai un TikTok avec cette jupe et tout. Faut savoir que moi j'aime trop les jupes. Pourtant j'aime pas les vêtements courts en bas. Ok, je peux porter des vêtements courts en haut, en mode des tops, etc. Mais des jupes courtes, j'aime pas du tout. Mais il y a cette jupe et tout. C'est une jupe short en fait. C'est-à-dire que même si, regardez, même si il y a le vent et tout, que ça se lève, et bah ben là vous avez le short. Ça c'est tellement pratique. Parce que aujourd'hui je suis sortie d'où, j'ai cette jupe avec un grand t-shirt. Et il y avait le vent, ça s'est levé. J'ai même pas paniqué. Genre je suis restée saine. Genre je suis là en mode ok, y'a pas de soucis. Et le gris comme ça, j'aime beaucoup. En taille XS, mais ça taille quand même très très grand. Je trouve que Shein, sur ce qui est jupe, ça taille très grand. Après, tous les sites en général, quand c'est pour les jupes, ça taille toujours un peu plus grand que les jeans. Enfin, que les pantalons et que les jeans. Ensuite, j'ai pris un maillot de bain. Celui-là, je ne l'ai jamais porté encore comme maillot de bain. Je sais pas si je vais aller en vacances. Faudrait déjà que j'y aille. En plus, j'avais su comment le mettre, mon maillot. Il est trop beau. J'avais vu sur une américaine qui faisait un haul aussi. Elle, par contre, elle l'avait essayé. Moi, je ne l'ai pas essayé parce que, enfin, vous voyez, YouTube, ça reste une story Insta. Enfin, même s'il y a des gens qui screen les story Insta des gens. Trop bizarre, quoi. Enfin, bref. Le maillot, il est vraiment trop beau. Après, je peux le porter sur mes vêtements, genre, mais ça fait trop kitsch, vous voyez pas. En ce moment, je suis trop dans ma hippisère era. Genre, j'aime trop m'habiller hippisère. Enfin, si vous me suivez sur TikTok, vous savez ce que. Enfin, vous savez ce que je veux dire par là. Mais bref, le maillot est trop beau. Même la couleur et tout. Je mérite trop d'aller en vacances en fait. Certes, j'étais à Barcelone et tout. J'ai kiffé et tout. C'était bien. Mais j'ai vraiment envie d'être en vacances en mode la plage, faire des trucs et tout. Parce que Barcelone, c'est vraiment les vacances où. J'étais là, mais j'avais juste envie de décompresser. Je sortais mon BTS. J'avais même pas terminé mon BTS parce que j'ai fait mon épreuve d'anglais bien après. Vraiment, je suis allée à Barcelone. J'étais en mode, il faut que je décompresse, il faut que j'oublie un peu l'école et tout. Je suis allée, j'ai oublié tous mes problèmes, j'ai oublié toute ma vie et tout. Quand je suis revenue, il fallait maintenant faire les vidéos et tout. J'étais vraiment. Enfin bref, on s'égare de ouf. On va continuer le hook. Faut savoir que dans cette sélection, les trucs que j'ai pris pour ma soeur, en gros on a fait moitié-moitié. Je vais vous montrer, elle a pris un corset comme ça, Shein. Je crois que le corset il est trop petit avec elle parce qu'elle a une forte poitrine, genre elle a pas ça, oui. Moi j'ai fait vraiment, même de profil on voit à peine. Elle a vraiment une forte poitrine et elle a pris genre vraiment, je crois qu'elle a pris une taille super grande, hein. Elle a dû prendre dans elle, mais genre c'est quand même petit pour elle, mais c'est pas petit, vous voyez, c'est petit mais juste un peu. Après je suis là pour vous montrer la qualité aussi. En ce qui concerne la qualité, je trouve que c'est quand même du vrai jean, enfin du très bon jean. Regardez, après elle a aussi pris un ensemble rose. Mais en gros, je peux pas vous le montrer parce que bah, je l'ai pas là. Je vous mettrai une photo juste ici. Il est vraiment trop beau pour l'avoir vu en vrai. Parce que là, il est pas là parce qu'elle l'a pas. Enfin, elle l'a pas laissé. Mais l'ensemble rose, il est vraiment trop trop beau et tout. Genre, personnellement, j'ai même pensé à le prendre pour moi dans ma sélection qui est déjà venue, que j'ai pas encore filmé. Enfin, bref, je vous montre les autres articles. Ça c'est un ensemble
Et dans l'ensemble, il y a le haut comme ça. Genre, le haut il est trop beau. Genre, je trouve c'est vraiment magnifique. Je trouve c'est sexy en plus comme haut. Du coup, il y a le haut, il se porte comme ça. Genre, attendez, c'est un espèce de col roulé. Ouais, c'est un col roulé. Donc, c'est un col roulé, il se porte comme ça. Je vous mets une photo. Et avec le haut, vient une jupe. Vraiment, la jupe elle est magnifique. Je vais pas vous mentir, elle se porte comme ça. C'est vraiment magnifique, je pense que. Ouais, est-ce que c'est le devant? Ouais, c'est bon. Du coup, elle est comme ça et tout. Et elle est ouverte. Vraiment, elle est ouverte. Elle est ouverte. Ah non. Ouais. Bah, la jupe elle est comme ça. La qualité est trop bien. Genre, la qualité est super douce. Et je pense que le petit bémol du coup de la jupe, c'est que la jupe n'a pas d'ouverture en bas. Ce qui fait en sorte que, vu que la jupe n'a pas d'ouverture en bas, c'est chaud en fait. Genre, parce qu'exemple, quand vous allez vouloir marcher, vous allez être compressé et vous n'allez pas pouvoir étendre vos pas. Parce que certes, c'est quand même extensible, mais c'est toujours un piège. Il faut toujours prendre, toujours une jupe, une robe, tout ce que vous voulez, avec une ouverture, une espèce de fente et tout. Sinon, c'est compliqué, c'est galère. Genre, même juste une toute petite pourrait faire en sorte que vous puissiez bien marcher. Ensuite, elle a pris ce maillot jaune comme ça. Dites-vous que ça, c'est quand même la plus grande taille du maillot. Ça lui va absolument pas parce que. Attendez. Bah ouais, non. Non, non, ça lui va absolument pas parce que c'est la plus grande taille du maillot de bain. Mais c'est tellement minuscule. Pour savoir que dans mon autre sélection, j'ai pris exactement le même maillot de bain. C'est l'ensemble de maillot de bain jaune qui vient avec le haut, le bas et l'espèce de. Comment on dit, voilà. De foulard et tout que vous mettez, que vous avez fait un peu pour cacher et tout. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est un maillot 3 pièces. Je vous mets le truc là parce que bah j'ai pas le reste. Après, c'est une jupe longue, vraiment trop belle. Une jupe crayon aussi, parce qu'il n'y a pas d'ouverture en bas. Et bah, la matière elle est comme ça. Ce que j'aime bien avec la jupe, c'est que vous voyez, l'élastique il se met à l'intérieur. Du coup, quand vous allez le porter, ça va pas tirer sur le tissu. Du coup, ça va pas trop se voir. Je sais pas si vous voyez. Personnellement, je kiffe. Je vais voir si elle peut pas essayer les vêtements. Comme ça, bah, je les mettrai dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Après ça, moi j'ai pris un jean. J'ai pris un jean comme ça, un peu oversize. Ce jean, je l'ai porté une fois, je crois. Il ressemble un peu à un jean que j'ai déjà. J'étais un peu déçue parce que j'ai déjà presque le même jean, sans mentir. Et du coup, c'est un peu. Enfin, ça me faisait un peu répétitif. Je sais pas comment expliquer. Ben, vous m'avez vu avec ce maillot de bain sur Insta. Je vous mets une photo juste ici du maillot de bain. Donc, ce maillot de bain vient avec. Un petit haut comme ça que vous pouvez mettre pour cacher, vous le mettez et vous pouvez mettre avec ce bas comme ça que vous mettez sur le côté ici que vous attachez. Personnellement, ce maillot c'est l'un de mes maillots préférés. Il est vraiment trop tard. Elle a pris, ouais, c'est ma soeur, elle a pris ça. C'est une espèce de robe blanche comme ça, une grande robe blanche. C'est une robe ou une combi? C'est une robe, ouais, c'est une robe. La matière, elle, ça se voit que c'est une matière qui donne chaud, même si c'est l'été. Regardez. Du coup, il y a une espèce de. Du coup, c'est une robe dos nu. Le dos, il est complètement ouvert. Et vous pouvez enlever et rezipper comme ça ici. Mais sinon, il n'y a pas de fermeture parce que la matière, elle est archi extensible. Je sais pas si vous avez. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, mais regardez, très extensible comme matière. Donc, c'est la fin de mon petit haul. Je sais que je devais faire ce haul depuis archi longtemps. Je suis vraiment désolée. Là, je reprends les vidéos parce que, vous savez, quand vous faites des vidéos sur Internet, des fois, vous avez la flemme. Des fois, vous avez juste une baisse de motivation. Et, enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, les deux, en fait. J'ai eu un jet lag des vacances. J'étais fatiguée. Enfin, tout ça, là, je vais vous raconter tout ça dans un... dans un vlog. En plus, en ce moment, j'essaie de. Enfin, en ce moment, dans ma vie, j'essaie de faire un truc et tout.
quand ça viendra, bah, je vous en parlerai. Je vais vous dire que exactement, vous rappeler quand je vous ai dit ça et tout. Enfin, bref, j'ai trop hâte de faire un vlog parce que là, c'est pas trop le but de la vidéo. Du coup, bisous et à la prochaine vidéo.